y a des personnes qui me traitaient de maudit. Il y a des amis au quartier qui venaient même chez moi enlever mon t-shirt pour voir si je n'ai pas les traces lorsqu'on nous frappait dans les prisons. Mais aujourd'hui, bon, je remercie Dieu. Je suis le président du groupement JIMAG, jeune migrant agriculteur de Guinée. Arrivé au pays, on s'est donné la main pour réussir chez nous. On a pensé de faire l'agriculture, surtout l'ananas. Mais aussi, on a mixé avec maraîchage. Mais c'est avec l'ananas, l'ananas peut faire 18 mois maximum. Mais en tant que jeune, je ne peux pas attendre jusqu'à 18 mois sans avoir quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Comme la tomate, on peut faire la récolte et chacun peut gagner quelque chose juste pour l'encourager à continuer avec le projet. Au-delà de ça, on fait d'autres activités. Les gains qu'on gagne, on achète aussi les sacs de riz et on revend ça pour pouvoir encore fermer quelques trous. Ce qui fait le succès de notre groupement, d'abord, on est unis, nous vivons ensemble, on passe tout le temps ensemble. Le jour d'aujourd'hui, les actifs que le groupement a, 1,5 hectare, une moto tricycle dans laquelle les membres du groupement peuvent venir au boulot, les différents intras pour bien nourrir les 1,5 hectare, quelques matériels nécessaires pour le travail. En dehors du groupement, j'ai une moto. J'évolue dans la restauration où j'emploie 2 personnes, dans les transports et l'élevage. Et j'ai une quinzaine de têtes de moutons. Des amis qui me traitaient des maudits, des amis qui venaient rire sur moi, plein de personnes là qui travaillent pour moi-même. Ces personnes même me prennent comme un modèle de réussite, une référence. Le conseil que je vais donner aux jeunes qui veulent aller en aventure, c'est de rester chez soi. La Guinée a toutes les potentialités pour réussir dans le domaine agricole, l'élevage, même autre chose, on peut le faire en Guinée, on réussit. Si on le veut, si on a la volonté, le courage et l'engagement. C'est pour cela qu'on dit, l'avenir aussi, c'est construit chez nous.